Monsieur le Président, nous sommes co-responsables de ce qui s'est passé au Bangladesh. Les personnes n'ayant pas survécu à l'incendie dans un atelier de production situé dans une banlieue de Dakar sont aussi victimes d'un système que l'on pourrait résumer par le slogan allemand « Geiz ist geil », ce qui veut dire à peu près « plus on est radin, plus on est malin ». La recherche frénétique du dernier cent d'économie lors de l'achat d'un T-shirt pousse les producteurs dans les pays en développement à produire toujours moins cher, au point de négliger tout standard en matière de sécurité au travail le plus élémentaire, sans parler des conditions de rémunération exécrables imposées avant tout aux femmes qui y travaillent. L'absence de règles respectueuses d'un minimum de droits sociaux dans le cadre de l'OMC est une honte. En aucun cas, cependant, ces règles inexistantes ne peuvent constituer des circonstances atténuantes pour l'indifférence et le laisser-faire. Si Fair Trade et par conséquent la volonté de boycotter des entreprises qui souscrivent au moins-disant social n'arrive pas, dans l'immédiat du moins, à améliorer la situation, cette attitude a le mérite tout de même de nous rappeler qu'il existe des alternatives à nos habitudes de consommation. C'est dans la combinaison des initiatives politiques et citoyennes que l'on commence à inverser la logique qui est à l'origine de la catastrophe qui ne constitue, hélas, pas un cas isolé.